Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo. On vous avait parlé, oui, le changement, les choses. Voilà. Vu la situation politique dans la sous-région des pays, la Guinée, le Mali, la situation dans ces trois pays, voilà, ils ont pris la situation de ces trois pays au plus haut niveau. Le président du Bénin prendra en charge la situation de ces trois pays. Donc, il sera en mission dans ces pays. Et ça, c'est pour bientôt. Que dans ces pays, ces leaders ont promis de rétablir la démocratie. Et avec les règles de la CEDEAO, ainsi que eux-mêmes la charte qu'ils ont établie. La CEDEAO s'engage à accompagner des élections libres et transparentes, inclusives. Oh mon Dieu. Vous m'emmerdez quoi. Là, vous m'emmerdez. Regional response to secure for any threat to security in the region. Donc, shall include la famille, je vous ai dit, la récréation est terminée. La récréation est terminée. Je vous dis, les choses sérieuses vont commencer. Le président du Nigeria, il a dit qu'ils n'ont pas acheté les tenues pour faire porter à leurs militaires contre la population. Ils ne les ont pas fait porter les chaussures pour la forme. Je vous ai dit l'affaire. Ils ont déjà donné le ton. Ils ont compris que les bandits ne veulent pas partir. Mais je vous ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Wallah, ces gens-là, ils vont partir, ils vont dégager. Si c'est par la force, ils vont partir. Ils ont été clairs qu'ils ne sont... Ces bandits-là ne doivent pas être candidats. Maman dit, eh, vous allez partir de gré ou de force. Vous êtes venus par la force, vous allez partir par la force. C'est ça. Vous n'êtes pas venus par des négociations, ni par les... c'est-à-dire par le vote, le peuple. Non. Donc, c'est pour vous dire que c'est pour vous dire, ça ne marchera pas. Vous allez dégager. Voilà. Tcherno, Diallo Tcherno, Boiris, depuis Gagnoua. Donc, c'est pour vous dire que la situation, nous, on peut dormir tranquillement maintenant. Voilà. On peut dormir, comme vous avez écouté le discours. La CEDEAO, ceux qui étaient là hier, ne sont pas là maintenant. On a un nouveau président au Nigeria. Un nouveau président pour la CEDEAO. Donc, les choses sérieuses, on vous avait dit. Au lieu de trop parler là, on ne va plus trop parler. Voilà. Maintenant, j'ai été contacté. Je ne voulais même pas parler de cette affaire. Donc, partagez. Il faut que les proches de Mofoa Sory, les proches de Mofoa Sory là, contactez-moi. Parce que l'affaire là, la dernière fois Benito avait parlé, on n'avait pas pris que Benito a dit Mofoa Sory est mort, c'est rentré, c'est sorti. Nous là, on n'invente rien. On nous appelle, on nous donne des informations. Nous sommes aux États-Unis. Quelque chose qui se passe en Guinée dont les gens ont peur de dire,
on nous contacte et nous, nous venons pour dénoncer. Ce qu'on m'a dit de Mofassori aussi, je ne confirme pas à 100%. Je ne confirme pas à 100%. Mais qu'avant que Tchafimba ne parte pour Cancan, que c'était chaud, le cas de Mofassori. Donc, Mofassori Bramolu, mes numéros sont là, vous pouvez m'appeler. Dites-moi si Mofassori est en vie. Dites-moi si vous êtes en contact avec Mofassori. Parce que ce que moi j'ai entendu, ah, franchement, j'aimerais vraiment confirmer avec vous. L'affaire de Mofassori, là. Nalbara la Tounou, Nalbara Kessarakae, Anyo Lomfana. Si vous êtes en contact avec Mofassori, Nalka Mofassori, Alia Fanyene. Parce que moi, ce qu'on m'a dit, Ntenana, je ne vais pas m'asseoir, moi, balle les mafenena, des bonnes personnes me regardent, je ne vais pas venir. Parce que quand la personne m'a dit, je sais la personne, c'est au Viafola Taï, ne m'a jamais menti. Donc, je veux vraiment que les proches de Mofassori, si vous n'êtes plus en contact avec Mofassori, avant la fête de Tabaski, là, je pourrais confirmer ce qu'on m'a dit. Foalié en contacté, quand faut en yéné, Mofassori, depuis quand Alni Mofassori, bon contact là. Parce qu'il avait fait une vidéo et moi-même j'ai dit que non, c'est pas vrai. Voilà, parce qu'au départ, ils l'ont fait venir, ils l'ont amené à l'hôtel et tout le monde a vu. Mofassori qui avait même dit que ceux qui disaient qu'on l'arrêtait, est-ce que lui, dans cette maison où il était, dans la chambre où il était, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qu'on a arrêté? Après, il a fait une vidéo, il a donné au petit blogueur squelettique là. Donc, ce dernier est sorti. Et maintenant, on nous appelle pour nous dire, ah, le cas là, c'est compliqué. Donc, pour l'amour de Dieu, Mofassori, les proches de Mofassori, appelez-nous. Parce que ce que Mofassori a dit, il n'a pas tué, il n'a pas volé, malgré que je ne l'aime pas, il n'a pas tué quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et ce qu'on entend vraiment, si c'est vrai, ah voilà, Mamadi Doumbouya, là ça devient dangereux encore, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Donc, Aliafo Mofassori, Bramo Lunyene, Aliafo Nyene Kadjama, rassurer Afouanité parce que Anyemi Mena Kalbara Adoufa Kalbara Kessarakaye Nta Franco Tienede Nta Franco Viale. Voilà mon crème Katafola Anyene Fififo mon Fassori Bramolo Alni mon Fassori bon contact la Wati Duma Allez à la Nouvelle Karama Nalka Fokale à la Nouvelle Karama Alhamdoulilaye. Voilà Anda Andi Bofanako Kafo Djamanyen Moluya Manyen Kala mon Fassori Koedi. Donc, ce qu'on nous a dit là, nous, on veut vraiment se rassurer que ce n'est pas vrai. Mais si c'est vrai, c'est que ce gouvernement-là, non, c'est le comble, c'est le pire. Parce que c'est eux qui ont appelé Mofassori, qui ont invité Mofassori. Vous avez vu Mofassori dans une chambre d'hôtel. Il a fait une vidéo que lui, il est dans l'esprit du CNRD. Donc, ce qu'on nous a dit, jusqu'à preuve contraire, nous, nous disons que, ah, on ne croit pas à ça, s'ils l'ont vraiment... Voilà, fait partie. C'est ce qu'on nous a dit. Et je ne peux pas venir confirmer à 100%. Je ne peux pas confirmer ça à 100%. Mais nous commençons déjà à douter. Yep. Nous commençons déjà à douter dans l'affaire. Parce que beaucoup disent que oui, ils ont... Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il a fait un rêve. Il n'a pas dit tant. Donc, les dates là, 18, 28 sont passées. Il n'est pas militaire, rien. Est-ce qu'on doit faire disparaître quelqu'un comme ça? Non, franchement, Alassane, encore les mains, mais, n'est-ce pas, moi, si les proches de Mofassori disent qu'ils n'ont plus les nouvelles de Mofassori depuis et avant la fête de Tabaski, là, c'est qu'on m'a dit que oui, ils ont fini avec lui. Là, je peux sortir pour dire oui, à 100%, ils ont fini avec lui. Mais, si ceci n'appelle pas, c'est que nous aussi, nous allons dire, ah, franchement, ce qu'on nous a dit dans l'affaire là, c'est vrai. Parce qu'ils ont dit, ça a été fait bien avant ça. Voilà.
Toi, Komori Ben Oumar Diallo, qu'il ne faut pas aller travailler. C'est l'argent de ton père, ils ont pris pour m'envoyer aux États-Unis ici. Moi, j'ai fini de travailler. Je te montre, je suis en train de charger ma voiture. Je suis en train de charger la voiture, j'ai fini de travailler. Ce n'est pas l'argent de ton père qu'on a pris pour m'envoyer ici ou de ta famille pour m'envoyer ici. Ce que nous sommes en train de dire là, si tu ne veux pas écouter là, tu fous le camp de cette page. Dans Kadea Kouma. Non, il ne faut pas le répondre à Alassane Fofana. On dirait que c'est leur argent qu'on a pris pour m'envoyer ici. Ou bien ta famille dépend de moi ici aux États-Unis. Dans Kadea Kouma, oui. Kouma Tal Kono, Al-Braklach, Al-Abandulu Sonfola, Al-Dal Flankea. Ou bien Damaro a fait une vidéo ici aux États-Unis, dans une fois, pour dire cotisation. Mbra oké à l'onkere. Aliena, Aliembro Magbe, dans Kadea Kouma ou lui. Nkouma Tal Kono, c'est se flanquer ici maintenant. Va faire ça, va. Nanana. Manamanamo, ici n'y est Konkowati. Non, il faut les répondre. Furieux, il faut les répondre. C'est bête là. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Damaro Tal Kono, Damaro n'a pas de maison. Damaro, il ne travaille pas. Damaro ne fait pas ça. Mais ce que Damaro dit là, essaie de démentir. Essaye de démentir ça. Des fouillantés comme ça là. Quelqu'un a disparu. Ils sont en train de faire disparaître les gens. Les militaires. Même ces petits sont en train de fuir. On parle de ça. L'inquiétude est là. Le pays aujourd'hui, le port est bloqué. Regardez le port. Ça fait 10 jours. 10 jours que le port, il n'y a pas d'activité. Que non, il y a des appareils qui sont en panne. Et la population est en train de payer aujourd'hui. Hein? Attendez, je vais bloquer ce mouton de grec là. Voilà, toi tu es bloqué. Donc, franchement, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Regardez le port de Conakry. Sac d'oignons, aujourd'hui, sur le marché, 700 000. Vous n'avez pas honte qu'on va soutenir ces bandits-là. On vous a dit, c'est fini pour ces voyous-là. Ils vont mal finir. Ces voyous de CNRD-là. Ils veulent forcer, non? Ils veulent forcer la communauté internationale. Et d'ailleurs, qui va leur donner l'argent? Qui va donner l'argent? Vous allez exclure quelqu'un. Vous allez forcer Wallah et vous allez terminer à la Cour pénale internationale. Yeah. Vous allez terminer à la Cour pénale internationale. Bravo, Falignane. Donc, pour tous ceux qui viennent d'arriver, je vous ai dit les choses sérieuses. Hey. Dunia relation aide. Dunia molle les différences qu'elle a. The operationalization. Ok. Ok. Écoutez, hein, ensemble. La situation politique dans la sous-région. Regarding the political situation. La situation. The leaders have reviewed. Et les leaders de la CDAO ont revu encore la situation de la transition dans ces trois pays. Voilà. Ils ont pris encore au sérieux la situation de ces trois pays, le Burkina, le Mali, la Guinée. Le président du Bénin maintenant prend la en charge. Voilà. La mission, c'est-à-dire, il va voyager dans ces trois pays pour s'enquérir des réalités. Le président du Bénin. The transition must be in accordance with ECOWAS protocols and in accordance with their individual voilà. Transition charters. La transition doit être en accord, en commun accord avec la charte de la transition que eux-mêmes ils ont publiée et avec les règles aussi de la CDAO. Donc, la règle est simple. Les bandits là, ils ont dit qu'ils ne seront pas candidat,
qu'aucun membre de leur gouvernement ne sera candidat. Ah ouais, c'est là-bas. Vous êtes venu enlever quelqu'un. Oh, troisième mandat. Comme m'a dit, il y a 30 ans, il y a une loi, il dit la maloya. On ne vient pas pour humilier son bienfaiteur devant un peuple, celui qui t'a fait du bien. Quand je dis tu es ingrat, maman dit, solution tignaboutou. Il fait qu'à Fankale, que la situation du pays aujourd'hui se dégrade. Hein? Bon, je vais vous faire écouter le message de l'autre aussi. Moussa Faki, voilà, lui aussi, il y a sa vidéo. Et du protocole sur Genève. Les conseils de sécurité sont très clairs. La question, c'est la mise en œuvre par les États membres. Les tripatriages des constitutions constituent un problème. L'organisation des élections transparentes pose un problème. L'exclusion pose des problèmes. Les changements non constitutionnels du gouvernement posent problème. Quand ils adviennent, il est demandé à l'Union africaine, notamment à la Commission de l'Union africaine, d'accompagner. C'est ce que nous sommes en train de faire avec les pays en transition. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Tchad, le Soudan, jusqu'à ce que les événements éclatent. Mais il faut reconnaître que très souvent, les textes ne sont pas appliqués, ne sont pas respectés. Fin juin, les Maliens ont voté en faveur du changement de leur constitution. Si le président Assimi Goïta venait à se présenter à la prochaine élection, de quel levier disposerait l'Union africaine pour peser sur la situation ? Nous, comme vous l'avez dit, nous soutenons la position de la CEDEAO. Pour la CEDEAO, il n'est pas question que les militaires qui ont assuré la transition puissent se présenter aux élections. Donc, c'est le cas des trois pays, donc le Mali, le Burkina et la Guinée. Et la Guinée. On est bien d'accord. Alors, vous avez compris ? Il n'en est pas question. Vous-même, vous n'allez pas violer votre charte B. Dans votre charte, vous avez dit que vous n'alliez pas vous présenter, qu'aucun membre de CNRD ne sera candidat. Voilà. Djakité, c'est vous qui savez si la CEDEAO, c'est une organisation mafieuse. Le CNRD, ils ont mis leur charte. Ils ne peuvent pas violer leur charte aussi. S'ils ont dit que le président Alpha Condé a violé la constitution, il s'est présenté eux-mêmes, la charte qu'eux-mêmes ils ont établie, donc il ne peut pas violer cette charte. Ah ouais, c'est là-bas le problème. Quand tu dis que l'autre n'a pas respecté les règles du jeu, vous-même, les règles du jeu que vous avez établies devant le monde entier, vous ne pouvez pas violer cette règle. La question c'est simple. Mamadi ne peut pas être, surtout même la Guinée, mais c'est foutaise. Comment un bandit, un légionnaire, un tocard, un vaurien, quelqu'un qui n'a pas son certificat d'entrée en septième. Lui, il va être le président de qui? Il est en train de commander aujourd'hui. Il n'est pas en train de diriger. Parce qu'un pays, quand on dirige un pays, on écoute tout le monde. On écoute tout le monde. Mais aujourd'hui, il est en train de commander. Parce que Kourou, il est fort. Mais ça, là, on va lui dégonfler. Bientôt, Inch'Allah. Comment vous allez venir prendre le pays en otage de vauriens comme ça? Tout est rouge aujourd'hui dans le pays. Rien n'avance. Rien du tout n'avance. Hein? En tout cas, le président du Nigeria, ce n'est pas le président de la Guinée-Bissau. Abuja n'est pas, en tout cas, chez Ambalo. Ça, c'est clair et net. Les hommes, j'ai toujours dit, c'est les hommes qui font la différence. Les hommes, oui. On ne peut pas influencer sur le Nigeria. On ne peut pas influencer sur eux. Vous dites non, c'est ça, c'est comme ça. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. Comme je l'ai dit, tous ceux qui sont en contact avec les proches de Mofasouri, pardonnez, contactez-les et remontez-nous l'information. On veut savoir si vous êtes en contact avec Mofasouri, s'il est en prison ou si ce que nous avons entendu, il a été, voilà. Voilà. Toi qui dis que... Non. Nouveau-né Bamba, il ne faut pas lui répondre. Il faut lui laisser. Père à l'âme de feu général, Lansana Conté. Lansana Conté a fait 4 mandats ici, là. Vous n'avez pas ouvert vos gueules ici. Si ça,
comme ça, ça n'a pas évanoui la Guinée ou tué la Guinée. C'est le troisième mandat du président Alpha Condé. Quand tu as qu'à l'état soit petit, là, tu n'ouvres pas ta gueule pour dire non, ça, ça a tué la Guinée. Lorsque le sac de riz était à 240 000, les bandits sont venus aujourd'hui ça, à 350 000. Ça, c'est le troisième mandat. Ou bien, troisième mandat, là, le président Alpha Condé a terminé. Les bandits sont venus, non? Il n'a même pas fait une année, les bandits sont venus, ils ont pris. Donc, vous devrez être content de ne parler plus de troisième mandat, parce qu'ils ont mis fin au troisième mandat. S'il avait terminé son troisième mandat, vous allez dire, ah, le bilan, ça a été catastrophé. Il n'a pas terminé son troisième mandat. C'était 6 ans. Une année même n'était même pas terminée. Le bandit est venu faire le coup d'État. Donc, de quoi vous parlez? Vous devrez être content maintenant, il n'y a pas troisième mandat. Parce que vous, votre problème, c'est le président Alpha Condé. Vous ne parlez pas du bilan, rien du tout. Ah, contentez-vous de Doumbouya. Parce que le président Alpha Condé n'était pas là. Le problème, c'était le président Alpha Condé qui ne soit pas là ou qui n'est plus là maintenant. Applaudissez et soyez contents. Foutez-nous la paix. Voilà. Avec cette histoire de bidon. Troisième mandat. Votre bandit aujourd'hui qui dit qu'il va se présenter. Leur propre charte, là, ils sont en train de violer. Vous ne parlez pas de ça. Flanquez-vous. Donc, vous qui dites que c'est une organisation, on peut rentrer comme on peut sortir. Vos bandits aujourd'hui ne peuvent même pas, même avoir les moyens. Ils ont insulté, ils ont humilié les anciens dignitaires. Aujourd'hui, ils sont en train de traîner. Lazare Kouyaté l'a dit, non? Qu'on a, il faut de l'argent. Vous n'avez pas honte. Vous avez dit les autres, c'est des voleurs. Ils ont organisé des élections avec des fonds propres. Autant d'Alpha Condé, le sac de riz. Ah, que les Guinéens répondaient, Kodura Camara, toi tu n'as pas Camara. Parce qu'un Camara ne peut pas mentir comme ça. Qu'autant du président Alpha Condé, le sac de riz à 300 000. Bon, les Guinéens, le sac de riz, il y a plus de combien? Plus de 600 à 700 personnes ici. Le sac de riz, au temps du président Alpha Condé, c'était combien? Moi, je n'ai pas besoin pour dire le sac de riz. Les militaires, le ravitaillement des militaires, ça, ça aidait les pauvres. Les bandits sont venus mettre fin à tout ça. Les militaires aujourd'hui vivent dans la galère. Yeah. Donc, je veux... Mettez en commentaire, on va répondre à ce info Camara comme ça, là. Qu'on s'adhérer au temps du président Alpha Condé. 300 000. Hein? Même... Même l'autre... Ousmane Kaba, tu n'as pas vu sa vidéo sur ma page? Tchalou Takaltato via formaté. Je ne vois pas, je veux voir. Au temps du président Alpha Condé, je veux savoir le sac de riz, c'était combien. Je ne veux même pas que les alphaïstes répondent. Mais ceux-mêmes, les militants de l'UFDG, pardonnez, répondez. Même si on n'aime pas quelqu'un, il faut reconnaître ses mérites. Le sac de riz, c'était combien? Le sac de riz, je veux savoir. Aventurier, Bambézi, Biavogui, je veux savoir. Voilà. Il y a Mohamed Sogoboli, Bangoura qui dit 185 000 francs. Voilà. Mohamed Sogoboli a dit, lui il dit 185 000. Bon, je veux savoir. Je veux savoir d'autres Guinéens. Parce que c'est ça. Il n'y a pas de débat. Le CNRD, échec Nara. Échec total. Ils ont échoué sur tout le plan. Ils ont échoué sur tout le plan. Voilà. Tienguima Wilkinson qui dit 240 000. On vous dit, même si tu n'aimes pas quelqu'un, donne à César ce qui appartient à César. Il y a Papi Malal qui dit que 270 000. Voilà. Donc, Alpha Ouma Ndjarama. Il y a Ibrahim Bintou Diallo qui dit 185 000. Donc, chacun en train de dire. Il y a Myriam Majoua qui dit à 200 000. Donc, comment des gens viennent? Il y a Bembela qui dit 240 à 250. Mohamed Baldé, 200 000. Ozil, 180 000. La vie était moins chère. Même si vous voulez dire troisième mandat. Je suis d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord avec le président Alpha Condé. Il ne devait pas se présenter. Je respecte ça. Mais conditions de vie des Guinéens, il faut être de mauvaise foi pour comparer le temps du présent Alpha Condé au temps de ces bandits, de ces vauriens-là. Yeah. Bon, maintenant, mon frère, il faut parler maintenant. Toi, tu as vu les commentaires maintenant. Nous, c'est ça. Voilà. Le gars est venu rendre la vie des Guinéens misérable. Aucun changement positif, à part la démagogie. Aérodrome, avion,
aérodrome, avion. Non mais la Guinée, na fala nobe, mounou bandi nana. Voilà, Djamanati Kama, 225 000. Voilà, Tcherno Imakidi, 300 000. En tout cas, 300 000 là, nous on n'a jamais vu ça. On ne sait pas dans quelle région toi tu achetais le sac de riz en Guinée, au temps du président Alpha Condé, 300 000. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. Le sac d'oignons était à 160 000. Le sac d'oignons, au temps de Prague, à 160 000. Voilà. Voilà, il y a Ibrahima Bintou qui dit ça, 300 000 maintenant là. Voilà, c'est ça que le gars devait dire, 300 à 340, 350 000. Au lieu de dire ça, il vient dire que non, 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 qu'au temps de Alpha Condé, que c'était... Ah, non mais quand même, respectez les gens. Nouveau-né, en tout cas c'était 250. Il y a Aloussène Camara qui dit entre 195 et 240. Vraiment. Il y a Aventuré, voilà, qui dit 200 000, voilà. Donc, merci à tout le monde. Amadou Camara, voilà, les vrais Camara ont parlé maintenant. Sinon, l'autre, Anna Saraka, les deux, yo. Comme Doumbouya, la Saraka, Mamadi Doumbouya. Comme Traoré, la Saraka, et Namori Traoré, Fana. Donc, famille B, si Bena la Saraka. Doumbouya, la Saraka, Mamadi Doumbouya. Traoré, la Saraka, Namori Traoré. Voilà. Donc, merci à tout le monde, on est ensemble. Alpha Ouma Ba, merci à vous. Brahim Ba, merci. Béni Khadija, merci à vous. Merci à Kali Amori. Merci à tous les patriotes. La vérité est que nous devons nous réveiller. Affaire d'ethnie, mettons ça de côté. Si nous voulons que la Guinée aille de l'avant, ce pays est vachement riche. On a assez de potentiel. Mais chaque fois qu'on parle l'affaire d'ethnie, le pays là n'ira nulle part. Voilà. Peul, Malinke, Soussou, Forestier, ça doit être vraiment un atout pour nous. Cette diversité culturelle, on doit profiter de ça pour la beauté de notre pays, pour avancer la Guinée. Mais si on se met à suivre ces vauriens là, ces tocards là, on n'ira nulle part. Mbrao Falnyana, Oma Mema, c'est des ignorants. C'est des ignorants. Ces gens qui sont à la tête là, c'est des ignorants. Ils ne réfléchissent à rien du tout. Regardez toutes les décisions qu'ils prennent. Ils pensent que c'est la force qui gère un pays. Non, l'intelligence, la patience, la sagesse. Mais est-ce que ces gens-là, ils ont ces qualités-là? Non, ils n'ont aucune notion de la République. On a parlé ici, tout dénoncé. Mais qu'est-ce qui a changé? Tout ce qu'on a dit, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, merci ma soeur Fanny. Hawa Fati, merci à vous. Merci. Djulbe Amadou, merci à Beavogui, merci à Lamine Bereté. Voilà. Traoré Aguibou, merci à vous. Merci à Politologue Toupou, merci à vous. En tout cas, les vrais Guinéens reconnaissent quand même la vie des Guinéens avant le 5 septembre. Voilà. Merci à Ouma Sek, merci à Gando Diakité. Voilà. Que le CNRD est le bébé gâté de RPG. Pardonnez, ne mettez pas malheur sur nous. Ne mettez pas malheur sur nous. Mamadi Doumbouya, à Kunkola, il est brûlé. S'il fait du bien, à Kunkola, brûlé. S'il force, à Kunkola, brûlé. Je lui ai dit, le temps-là est révolu. Vous savez, après la mort de feu, Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Les militaires sont venus, il n'y avait que parti unique. Donc, les Guinéens n'étaient pas habitués au multipartisme. Et maintenant, là, depuis l'arrivée de l'ancien Conté, après, ils ont créé le multipartisme. On a appris un peu. En 2010, on a encore appris beaucoup. Et maintenant, là, ils font le coup d'État en 2021. Et Mamadi pense qu'il peut répéter ce que Feu, Général Lansana Conté, paix à son âme, a eu à faire après la mort de Feu Ahmed Sékou Touré. Non, mais c'est impossible. Les temps ne sont pas les mêmes. On n'avait pas ces smartphones, ces iPhones, tout ça là. La génération, les jeunes de maintenant, de 14 ans,
Nous, nos enfants aujourd'hui parlent de politique. On ne peut pas tromper cette jeunesse maintenant. Mamadou Doumbouya, vous ne pouvez pas tromper cette jeunesse. Au moins avant, les radios, les médias, on peut berner le peuple. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous, là, on tape fort que les journalistes. Donc, Mamadi, Abli Kouno, que tu ne peux pas manipuler ce peuple. Alteole Nyaïla, tant que tu es soukré. Voilà. Merci Mariam Sidibé, merci à Berete Ouri, merci à Diamanati Kama, Diallo Suleiman, merci à vous. Amadou Hadibari, merci à vous. Merci à Mamadou Boy Timbi Diallo, on est ensemble. Doura Doura, Lorraine Abba, merci à vous. Merci à Ams Bari. Mais les Bari, vous êtes nombreux. Mais les Bari, vraiment, vous êtes nombreux. Aventurier, aventure. Bazeli Biavogi, merci à vous. Voilà, bonne nuit à tout le monde. Inch'Allah, on se reprend demain pour d'autres vidéos. Bonne nuit à vous. Merci à Diallo Suleiman. Voilà.